Choose your character! Salut à tous, c'est MoustiQ50, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 22e épisode de GTA V. Alors la dernière fois... il a son arme lui. Alors la dernière fois nous avons... avec Michael, nous avons rencontré Solomon pour faire des missions... Avec Michael nous avons rencontré Solomon pour le studio de cinéma. Ensuite nous avons fait une mission d'assassinat avec Franklin. Et là on va reprendre Michael parce qu'on a une mission... On a une mission pour Martin Madrazo avec... avec Monsieur Trevor Phillips. Et where is my car? Ma voiture est là. Hop, on va y aller, tranquillou bilou. Hop là. Ah, en plus ça va, il nous a bien approché un peu. Enfin, on nous a bien approché. Ah, pff, non, j'ai rien dit. Non, mais pas véhicule personnel, Martin Madrazo je veux. Voilà, c'est bon. Ah bah tenez. On va faire une conversation téléphonique avec le psy en allant chez monsieur Madrazo. Donc je vais y aller tout doucement. Dr. Isaiah Friedlander speaking. Hey doc, it's me. Michael, how are you? Not good doc, not good at all. Well, we spent a lot of time over the years discussing how negative actions lead to negative thoughts as much as the reverse. Because of the compounding of your classical low self-esteem with your assorted sexual hang-ups, the desperate search for the easy answer in life, and your profound narcissism, reality will have a habit of handing you a repeated kicking. Anyway, what's up? Hell, Doc, when you put it like that, I'm afraid I ain't got much hope. Have you been acting out again, Michael? Oh, a little up, a little down, Doc. What about the bad, Michael? Tell me. Okay, well, the things are, I gotta tell you, Doc, they're off. I'm making bad decisions here. And other people are picking up the tab for it. My family left me, or they won't even take my phone calls. But I did meet this guy, Solomon Richards. You might have heard of him. Richards Majestic, and we're doing some work together. In the movies. Can you fucking believe that? I'm a movie producer. Well, I'm glad to hear things are looking up. But you shouldn't look for validation outside of yourself. Validation isn't a label. It comes from within. Any other violent outburst, Michael? I happen to feel I'm making real progress, Doc. No major acting out. Not too much. I have a freak out or two, but hey, I'm feeling better. Remember, Michael. Denial is the cornerstone of relapses. You're not a well man. Yeah, it's easy for you to judge, Doc. I had a tough childhood. What about your sexual problems, Michael? I've been a really good boy, Doc. Really good. Not one problem. I'm glad to hear that. Really glad. Keep working it. This is great. Ever since I pulled that fucking house off that fucking hill, my fucking life has been fucking fucked. You know, therapy can really help you, Michael, which is why you should be really pleased with what you're doing. But I'm gonna have to stop you there. Oh, and there is one thing. Phone sessions are a little more expensive, obviously. Obviously. But so fulfilling. Let's speak again soon. Mais quel CO2NARD, ce psy. Bon, bref, on est arrivé, au moins ça nous a occupé. Ah, elle a disparu la lettre? D'accord, elle a disparu. Ah mince. Bon. J'ai une idée. Tac. On va changer de personnage et on va revenir comme ça. Ça va réapparaître sur la map. C'est un petit bug qu'il y a de temps en temps. C'est un peu pénible. Je vous avouerai. Ah d'accord, monsieur Franklin est parti aux prostituées. Il a mis cette chemise à carreaux moche. C'est bon, elle a réapparu sur la map. Hop. On peut y retourner. D'accord, il s'est pris le mur. Tout va bien. Allez, on est go. Tac. Voilà, parfait.
What is this? It's a thing. You said you wanted work. This is work. Uh-huh. And who's the guy? You'll see. Yes? Hi. Hello. We're looking for Mr. Madrazo. Patricia, for fuck's sake, just let him in. Right this way, gentlemen. Patricia, get us something to drink, would you? Quickly! Good to see you again, Michael. Likewise. It's my friend Trevor. Sit down. Sit. So what did you tell him about me, about Martin Madrazo? Martin's an old friend of mine, Trevor. The truth. Martin is a terrifying psychopath who tried to kill me. Exactly. But some people, they no longer fear me as much as they used to, people who wear clothes to me. My cousin, you met him, Michael. Well, apparently, he's thinking about testifying against me. So I have him killed. I'm going to. By you. Our debt was settled. This is a favor. For a friend. But does friendship mean nothing these days? Hello? What's the deal? This is him. Javier. He's flying off to Liberty City this afternoon. And he's taking some files of mine. Innocent files that I need back. There's a gun set up in the hills. I have a man watching at the airport. We'll let you know, and when he flies by, shoot him down and get the files back. A man, what's the pay? Huh? Trevor, come on. You still want the drink? Not now! Pendeja! ¿Que no ves que estoy hablando con las gentes aquí? All right. You grab a vehicle, something versatile. I'll handle the gun. All right! Okay, c'est parti! Hop là. L'arme est trop cool, vous allez voir d'ailleurs. Hey, and let's stay in touch on the headsets. Hop. Wait, you don't see me driving? Aïe. Normalement, je crois qu'il y a une conversation qui va se déclencher. Ou pas d'ailleurs, je ne sais plus. Ça fait longtemps. Wouh! Je vais me taper la voiture. Hop là. Oh, elle monte pas, elle a du mal à monter. Tu sens que c'est une grosse montée. Ouh la vache. Eh merde. Doom. Ah, c'est bon. Yeah, okay. Well, I ain't at the observatory yet. Start heading that way. By the way, I know why you took me there, to that guy's house. Understood. Understood what? That he's a terrifying psycho and that you might have that in common? What is it? We gotta work for him. We don't gotta work for anyone, but I read you, man, loud and clear. What are you talking about? All that Aztec stuff. Those weird little artifacts. What? Fertility statues, whatever. The guy has trouble getting it up. We'll clear 2-3 million on those. Easy. Perverts will pay anything for hope. We weren't casing the joint. We didn't agree to a fee for this job. So what's it all about? Okay. The guy lives well. That don't mean we're robbing him. But it does mean he's got money to pay people who help him. When the time comes, he'll do the right thing. If he don't, please, let me handle it. You don't get a wife like that without being rich and an asshole, right? The fuck? Je me suis tapé. En fait, quand je lis les conversations, c'est je me tape tout. Alors que je pourrais regarder en faisant le montage, mais je sais pas, je peux pas m'en empêcher, j'ai envie de regarder, je veux savoir ce qui se passe. Alors que je connais le jeu par cœur en plus, quoi, donc je pourrais faire sans lire, mais bon. Au moins, c'est bien, hein, vous voyez des accidents, ça vous fait rire, hein, je suis sûr. Hein. Vous vous dites, ah bah ça va, je conduis pas si mal, contrairement à Moustique du 50. Et je vous dirais que vous avez pas tort. Bon, on y est presque. Waouh. Alors là, le truc que je me suis pris, c'est pas parce que je conduisais mal, parce que ma manette a bugué. Ok, alors lui il a roulé comme un taré. Bon, en même temps j'avais un stop. J'aurais peut-être dû arrêter.
Puis cette voiture elle avance pas, je me sens lent. Faut que j'en prenne une autre après. Monter dans la camionnette. Ok. Tac. La camionnette. C'est dommage, j'aurais préféré la faire de jour cette mission là. Je pensais qu'il allait faire un bond dans le temps. Je pensais que ça allait faire un bond dans le temps parce que là, c'est pas terrible de nuit à faire quoi. Elle est plus classe de jour. Bah tant pis, on va faire avec. Hein. Ah d'accord, ok, c'est le bond dans le temps, il passe. D'accord, ok. T, if you could see this gun, it might convince you Martin Madrazo ain't someone to be messing with. The fancier the gun, the bigger the pussy who owns it. Now take down the jet. Ok. C'est cet avion là, non? Est-ce que c'est cet avion là ou pas? Oh là là, avec mon bug de manette, ça va être mignon ça. C'est bien, ça va me faire un challenge de plus. Par contre, je vois pas. Ah, il est là l'avion. Alors, on va essayer de bien viser. Ouais, bien joué. Par contre, le deuxième est un peu plus dur à anticiper. Oh la vache. Ouais. Oh la vache. Raté. Touché, c'est bon. Et il est pas évident hein, le deuxième. Le premier est un peu plus simple. Et le troisième est un peu plus dur, je crois. Le. Oh là là, ça va trop vite. Oh, du premier coup. Pour faire en or, faut faire les trois tiers du premier coup. Les trois moteurs, c'est chaud. Alors désolé, ça va bien avec l'action, mais YouTube, tout ça, tout ça. Oh, je l'ai défoncé. Ok, alors là, ça va être compliqué. Ce passage-là est un peu compliqué, il va falloir que je me concentre bien. Wouhou! Et par-dessus le bus! Ok, concentre-toi moustique. Oh, j'ai failli tomber. Ok. Casse-toi. Oh là là, c'est le stress, vous imaginez même pas. En plus, l'aérodrome de Trevor. Le mec suit un avion qui va se crasher, c'est quand même pas banal ça. Waouh, ça c'est trop classe. J'ai reçu un message mais c'est pas grave. Ah. Bon, j'avoue j'ai pas eu les dialogues là pour le coup, j'étais vraiment concentré sur l'avion à mort. Allez, allez, on est pas loin. Oh la vache, j'ai failli tomber. Je me suis bien rattrapé. Ouais, c'est bon, là l'avion il va tomber.
Et bah moi aussi je suis tombé. Bon ça va, je tombe qu'à la fin et c'est pas très grave en fait. Tiens, quelle arme on va le tuer? Allez, on va lui mettre un coup de fusil à pompe. Pas de témoin. Il n'y avait pas de fric sur lui? Ah, dommage. Ça aurait été bien pratique. Hop, on a récupéré les dossiers, tout ça, tout ça. Trevor va les ramener, nous on va se débarrasser du camion donc, et du fusil tant qu'à faire. Pas de preuve. Pas vu, pas pris. Pas de preuve, pas de preuve. Faut arrêter de mettre la radio par contre. Hein. Alors faut quitter la zone, mais on n'a pas besoin d'aller très loin. Oh, il y a une Infernus, j'espère qu'elle va rester là. Qu'elle va pas dépoper. Tac, là c'est bien là. Non, on est encore un peu loin. Un peu près, pardon. Ah, voilà. Bon, bidon d'essence, pas besoin, on a une bombe collante. Voilà, on va juste s'éloigner. Voilà, on a détruit la voiture, la camion, pardon. Oh mon dieu, vous avez entendu, il y a quelque chose qui a explosé, vite, courez, 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 courez. Oui, je joue très mal le mec qui a peur, hein. Surtout quand c'est moi qui fais ça. Ok, j'ai compris, ok. Quoique, elle a pas l'air de paniquer tant que ça. On s'en bat un peu les nions. Allez, on va prendre l'Infernus. Et on va aller là-bas. Hop là. Ah, Trevor, on m'appelle. Change of plans. You don't need to come to the ranch. Meet me at Stoner Cement Works, a little up Sonora Road from there. What are you doing, Trevor? Nothing you wouldn't do. Trevor! Trevor! I wouldn't do. Somehow I don't believe that. Technology. Sinon, vous avez vu comment je suis pas mort, mais comment j'ai bien paniqué? J'ai eu très très peur pour ma vie là, je fais oh là là. Mais bon, j'ai pris des raccourcis parce que les raccourcis ça sauve la vie. Ouais, par contre là ça sauve la vie, ça va me tuer, ouais. Waouh. En même temps c'est rigolo de grimper les montagnes. Et puis ça prend vraiment des raccourcis de prendre la montagne. Bon, t'as une chance sur deux de mourir hein, à chaque fois, je te l'accorde, mais... Vous avez vu le gain de temps là? Hop là. En vrai on gagne plus de temps qu'autre chose hein. À part quand tu meurs comme un caca. Là ça fait perdre du temps. Me dis pas qu'ils m'en font repartir du laboratoire. Enfin du truc. Oh ça m'en refait. Bon d'accord, ok. Bon. Ok. Bon bah je prendrai la route et je roulerai assez vite. Ah quel con. Ah, je m'en veux un peu là, ça fait vraiment perdre du temps. Bon, c'est pas grave. Hop. Non mais, arrête. Ouais, non, faut vraiment que je change de manette. Hein. Oui, c'est la même session, hein, au cas où vous posez la question. Voilà, c'est détruit. On va recevoir l'appel de Trevor une fois qu'on sera dans la voiture. Mais là cette fois on va suivre la route et on va essayer de pas se tuer.
pour ne pas perdre plus de temps que ça. Par contre, il y avait une voiture bien là et elle est partie. Bon bah on va prendre celle-là, c'est pas grave. Pas la meilleure, mais bon, c'est pas la pire, je veux dire, mais c'est pas non plus la meilleure. Bon, on connaît la conversation. Trevor. Allez, on va suivre la route, on va essayer d'y aller vite. Ah, mais j'aurais pu tellement gagner du temps. Je suis désolé les abonnés, là, pour le coup. Je vous ai déçu, je le sens. On va essayer d'y aller, mais doucement. Non, stop, voilà. On va y aller doucement. Voilà, on va prendre les descentes bien. Là, on va descendre ici. Ok, là, c'est tentant. Oh là là, je vais mourir. Eh, hey, j'ai gagné du temps là, n'empêche. J'ai gagné pas mal de temps. Tac, parfait. Là, on a gagné pas mal de temps là pour le coup. Hop, le petit saut qui fait plaisir. Allez, non, non, te retourne pas, n'explose pas. Parce que là, j'y étais pas vite quoi. Voilà, là, c'est bon, le gain de temps est fait. Bon, là, on va suivre la route, il reste 1 km à peu près donc. Ça serait con de mourir ici. Et normalement, il y aura une cinématique. Je vous laisserai avec la cinématique. Là, une grosse partie. Hein. Là, ça va être un gros moment du jeu en plus. On va terminer un gros arc en quelque sorte et en indiquer un autre. Tac, cinématique. Where is he? The fuck has happened? Why do you have his car? Piece of turd, huh? No wonder people are stabbing him in the back. What happened? Cheap bastard. You know, I really don't know why you mess around with people like that, Mikey. I mean, really, I don't. Answer a fucking question. I asked for a fair day's pay after a fair day's work. Then he kind of got a little angry. So I admit, I kind of got a little angry. Did you kill him? What kind of fucking animal do you take me for? No, I didn't kill him. Oh, fuck. But I did kidnap his wife. Oh, no. Oh, shit. What the fuck did you do? Oh, I just told you what I just did. Now, oh, shit. Unfortunately, I think that we're gonna have to lay low for a little while, you know, we discuss things with Martin. Oh, you think? Why don't you hop in the back? All right, now, Patricia. She already called Shotgun. Now, I know a nice little place we can hang out, you know? It's a very relaxing little spot. A little getaway, if you will. A cabin in the woods. You know what I'm saying. Bon, en gros, vous avez compris que c'est la merde, il a kidnappé la femme de Martin Madrazo. Non, mais je te jure, ce mec-là. Oh là, ça fait déjà 25 minutes à peu près. Bah, ça va être la... C'est... On va s'arrêter là, je pense. Voilà, McCoy traverse le cacheur de la ville, impossible de changer de personnage. Donc voilà, donc là, on va être avec que Franklin dans cette partie de l'histoire. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire ou à partager la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Salut à tous, portez-vous bien.